Alors, on va voir ensemble avec ce tutoriel de MacPlanet.com comment acheter un iPhone reconditionné. Donc, un iPhone reconditionné, il dispose d'une garantie d'un an, comme un produit neuf, sauf qu'il a été repackagé par Apple, et donc toutes les garanties Apple s'appliquent. Vous allez sur l'App Store, vous recherchez l'application Apple Espace Store, Apple Store, ensuite ouvrir, donc on lance l'application Apple Store. Donc, elle reconnaît automatiquement votre identifiant, il n'y a pas de souci. Vous allez ensuite, par exemple, vous voulez acheter un iPhone moins cher. Donc, vous allez sur iPhone, supposons, voilà. Ensuite, vous faites défiler vers le bas. Vous allez tout en bas de la page. Donc, ça, c'est les iPhones récents. Mais vous voulez un iPhone assez puissant et relativement récent et le payer moins cher. Il sera conditionné comme neuf, hein, dans un emballage d'origine et tout, il n'y a pas de souci. Vous descendez tout en bas de la page, vous allez voir en section, c'est assez bien. Alors, donc, je suis allé trop bas là peut-être. Voilà, et vous voyez ici, c'est indiqué reconditionné. Vous appuyez sur acheter, et là vous avez une liste des produits Apple disponible en refurb, en reconditionné, en français. Donc là, actuellement, il y a un iPhone 13 128Go, un iPhone 13 256Go, un iPhone 13 mini. Donc, vous avez aussi, voilà, par exemple, le prix, il est abordable. Vous voyez, donc, vous avez un discount dessus. Vous économisez plus de 200 euros dessus. Vous avez aussi un iPhone 13 Pro Max, vous voyez, le 13 Pro Max. Vous voyez le prix d'origine et le prix qui est barré. Et le prix que donc, vous gagnez. Vous choisissez la couleur que vous voulez, hein, vous savez, voilà. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est un iPhone comme neuf, il est reconditionné, il a une garantie d'un an, et le produit est parfait. C'est valable aussi si vous cherchez un Mac, une Apple Watch, un iPad, vous voyez, tous les produits Apple, vous les trouvez tous en reconditionné. Par exemple, si vous cherchez un MacBook, par exemple, reconditionné, vous allez à la section MacBook, vous descendez encore la page. Il faut bien regarder, hein, parce que c'est pas évident. On redescend, et hop, on tombe sur la mention reconditionné. Vous voyez, on appuie sur acheter, on touche, et voilà. Là, on a un Mac Mini en reconditionné, on a un MacBook Air, première génération, donc c'est-à-dire Apple Silicon M1, donc il est seulement à 909 euros. On a du MacBook Air 15 pouces M1. Non, 13 pouces M1. Voilà. Est-ce qu'on a du M2? On a du MacBook Pro M1. Donc pour l'instant, je vois pas de. Ah si, voilà, on a un M2. On a un MacBook Pro 13 pouces M2, qui par exemple est à un prix abordable. Hein. Donc il y a 1000 et des poussières, et on économise aussi dessus. Voilà. Donc il faut bien regarder. Et il faut regarder régulièrement. On a aussi les iMac, reconditionnés, moins chers. Donc Mac Mini, iMac. Je vois pas de MacBook Air M2 15 pouces. Donc là, il faut bien regarder. Si vous cherchez un MacBook Air M2 15 pouces, ça ne serait tardé. Vu que les MacBook Air M3 sont sortis, je pense qu'il va y avoir prochainement des MacBook Air 15 pouces M2. On a du Mac Studio, on a du Mac Pro, voilà. Tout ça, les prix reconditionnés. Donc voilà, pareil, hein, pour tout le reste, iPad, une Apple TV, voilà. Des AirPods en reconditionné, peut-être qu'il y en a aussi. Alors on descend toujours, voilà, AirPods, on descend. Non, j'en vois pas en reconditionné, parce qu'il y aurait inscrit reconditionné. Voilà, donc peut-être des AirTags.